Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascale Sarreau. Aujourd'hui, on revoit nos concours mensuels et je vous dévoile les informations exclusives sur notre nouveau livre de recettes, version papier. Le livre de recettes de Recettes du Québec, ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai reçu plein de questions. On a hâte qu'il voit le jour. Et finalement, cette semaine, on a reçu des informations exclusives de notre maison d'édition. Donc, bonne nouvelle, le livre va sortir le 20 février prochain en magasin. Évidemment, vous pourrez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Une autre information qui nous a été dévoilée, le nombre de catégories et leur nom. Donc, toutes les recettes seront séparées entre 9 catégories. Donc, je vous en dévoile quelques-unes. La première, recommandée par le docteur, plus santé que ça, tu meurs. La seconde, les enfants en sont fous. La troisième, on met les petits plats dans les grands. Quatrième, le temps de prendre son temps. Et la cinquième que je vous dévoile, l'opération camouflage ou ça, des vitamines. Évidemment, toutes les recettes qu'on y retrouve sont des recettes de votre cru, donc 106 belles recettes réparties sur 208 pages. Un superbe bouquin que vous pourrez évidemment vous procurer bientôt sur les tablettes de votre libraire favori. Donc, le 20 février prochain, et je tiens à vous remercier de votre patience. C'était un très long processus, mais finalement, le livre va bel et bien sortir et vous pourrez vous procurer votre copie sous peu. Deux petites modifications quant au tirage mensuel de recettes. Première chose, vous devez sûrement avoir remarqué que la recette gagnante à chaque semaine apparaît en bas de l'écran lors de nos capsules hebdomadaires. Deuxième chose, j'aimerais vous aviser que maintenant, lorsque vous voyez votre recette apparaître en bas de l'écran, de nous contacter pour réclamer votre participation au tirage mensuel si vous le désirez. Je vous rappelle les règles pour participer à notre concours. Évidemment, la recette doit être soumise via le formulaire de saisie de recette régulier. C'est une recette qui doit être de votre cru, bien évidemment, accompagnée d'une belle photographie et qui fait preuve quand même d'originalité. À toutes les semaines, notre équipe éditoriale choisira une recette qui évidemment correspond à ses critères et nous la démontrerons dans la capsule hebdomadaire en bas de l'écran. Donc, nous attendons vos recettes et bonne semaine!